construit. Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Space Marines 2. Je vous rappelle, avant de commencer l'épisode, que nous avons toujours un code promo chez Games Planet, un vendeur officiel. Code promo SIGNE, C-Y-G-N-E, pour profiter de 15% de réduction sur le jeu jusqu'au 30 septembre 2024. Vous suffit de suivre les liens en description. Le Signe Noir fait ça très bien. Vous cliquez sur le petit lien traqué afin que GamesPlanet voit quoi. On va sur leur site via ce lien. Vous achetez le jeu avec le code SIGNE, vous avez 15% de réduction. On remercie ceux qui le feront, car... je peux pas passer, car c'est une aide à la chaîne. Voilà, merci à toutes et tous. À savoir que le jeu, je continuerai après cet épisode sur ma propre chaîne YouTube. Vous allez reprendre votre place au sein. Donc pour la suite des épisodes, vous aurez ça sur ma chaîne YouTube. Vous avez servi dans la Death Watch, mais la mission déshonorante de votre statut de bouclier noir a été effacé des archives. C'est marrant, ça. Et si cela venait à se savoir, cela n'irait pas sans soulever des interrogations. Le seigneur Khalgar vous a offert une seconde chance. Ne la gâchez pas. On a déjà vu ça. Mais on peut pas passer les cinématiques, marrant. Donc, faites votre rapport au capitaine Akeran. Alors, c'est quoi ça? Indisponible pour le moment? Disponible? Ok. Ok. Ah, apparemment il y aura trois planètes. Très bien. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'on peut changer... Ah, on peut changer les difficultés. Je vais monter d'un cran. On va passer en vétéran. Au niveau de la... Non. De la difficulté. Cordanus, on a du travail. Pour voir un peu si le jeu est vraiment plus dur ou pas. On passera pas en mode le plus dur, j'ai pas envie de passer 8 heures sur un combat. Là c'est marrant, j'aime beaucoup la... J'ai envie de dire la peinture qu'ils ont faite, mais oui, la peinture qu'ils ont faite du personnage est très très jolie. Hein. Moi j'aime beaucoup. Après c'est un ultramarine, donc bon, bah c'est bleu quoi, mais... c'est beau, c'est bien fait. Se rassembler, mais je suis tout seul. Ah oui! D'après ce que j'ai vu, on peut commencer une partie en coop et la finir tout seul. D'après ce que j'ai vu. Mais je suis pas sûr que ce soit vrai ça. J'ai juste vu ça passer. Pareil, pour ceux qui aiment pas ça, j'ai vu qu'on était obligé de se connecter à internet parce que je regardais là en bas, là, dans le temps de chargement, il était noté connexion serveur alors que je joue en solo. Donc peut-être qu'on est obligé de toujours être connecté à internet. Donc pour ceux qui aiment pas ça, attendez, Major. Renseignez-vous. Je vous envoie des Astartes en renfort. Waouh! Les effets de la... Mais non, mais on voulait voir la quai... Bon, pas grave. Monseigneur, lieutenant Demetria Titus au rapport. Appelez le sergent Gadriel sur le pont. Et vos blessures? Ça va mieux. Il a pas joué dans Dragon Age, lui? J'émets des réserves quant à votre réintégration. Elle va entraîner des questions, des doutes. L'heure n'est pas à la discorde entre mes hommes. Si. Pas maintenant. Vous êtes lieutenant désormais. Ce ne sera pas un problème? Non, capitaine. Très bien. On Akeran. Une flotte ruche de tyrannides. C'est le fils du roi. Sur deux planètes, Avarax, un monde ruche, et Kadaku, que vous connaissez déjà. On abandonne Kadaku. Ce sont des installations de recherche de l'Adeptus Mechanicus. On évacue le matériel et le personnel critique. Ces canons de défense veillaient à la circulation de nos vaisseaux. Les tyrannides l'ont bien remarqué. Rendez-vous là-bas et protégez ces canons. Capitaine, vous m'avez demandé. Sergent, voici le lieutenant Titus. Il prendra les commandes de votre escouade. Chef, je... Soyez sur le terrain dans 30 minutes. Allez, rampez. Il est pas content. On dirait Alpha Cast un peu, non?
une époque. Bref, on s'en fout. Lieutenant, pardonnez mon hésitation. Je ne m'attendais pas à une telle tournure des événements. Moi non plus. Sergent Gadriel, l'absolveur est prêt pour le départ. Frère Chiron, voici le lieutenant Titus. Il va prendre la tête de notre escouade. Bah oui. Ah, vraiment? Eh bien, je me réjouis d'avoir un commandant si expérimenté. Le reste de l'escouade est prête? Elle est déjà réunie sur le pont. Bien. Nous partons immédiatement. Oui. Alors. Mais ouais, Archédan là, le capitaine là, Archéon, je sais pas comment il s'appelle. Bref, on s'en fout. Modifier l'escouade. Ah oui, ça c'est pour oui, mais ça on s'en fout. Pour en ligne. Archéon, c'est le fils du roi dans Dragon Age, un jeu qu'on a fait sur ma chaîne. Donc vous êtes pas spoilé parce que évidemment vous avez suivi tout ce que j'ai fait. En plus Dragon Age 1 c'est l'ancien micro dégueulasse. Ah, un grand moment. Quelle est notre mission? Les Cadiens ont perdu le contrôle des canons orbitaux. Nous devons les recapturer. Ils les ont déjà perdus? Les Tyrannides lancent des vagues entières de spores vers ces canons. Je suis impressionné que les Cadiens aient tenu si longtemps. Les Cadiens? Mais Cadia est censée être détruite. Frère Lyrio, Altareus et Elion composent le reste de notre escouade. L'un de vous a-t-il déjà affronté des Tyrannides? Juste ces deux derniers jours. Alors vous allez devoir apprendre. Ah, oh, j'ai hâte. Mais Cadia a été détruite? Pourquoi les Cadiens? C'est la garde impériale, pas les Cadiens. Donc ce seraient des réfugiés de Cadia qui sont sur Kodaku? D'accord. C'est ce qui a l'air, hein. Ou alors c'est avant la destruction de Cadia. Donc on sera en V9, même V8. Marrant. Dommage que les effets de la voie virale n'ont pas fait le feu. Les manques d'argent. Mes frères, le lieutenant Titus nous a rejoints. Bienvenue mon frère, nous sommes sous vos ordres. Nous partons sur le champ. Ah, j'ai plein d'IA avec moi. Très bien. J'ai 50 IA. Tout va bien se passer. Un Thunder Rock. Ah, mais c'est XCOM. Lol, c'est l'émission à la XCOM. Marrant. Mais ce n'est pas un jeu à la XCOM, on le rappelle. Ouais. Défendre les batteries. Très bien. Ça va bien se passer. Il y en a un qui a une main mécanique. Marrant. Très américain ça. Il y a les films sur le Vietnam. Alpha Cast. Chef, vous avez servi dans la Death Watch. Oui. Ça a dû être un grand honneur. On m'a donné une armure de réquisition. Il y a déjà des trous dedans. C'est un privilège de servir avec vous. Zone de largage en approche. On y va. Regardez ces clous de service. Notre lieutenant a plus de 200 ans. Il n'est pas primaris de naissance. En effet. Et il commande à votre place. On pourrait réparer leurs armures quand même de temps en temps. Parce que aller au combat avec une armure avec des trous, moi j'y vais pas. Hein. Dépêchez-vous de recharger ces bolterlots! T'as pris des coups dans la gueule, grand-mère.
meilleur de l'Empereur. Major Sarkana, 8e régiment Kadia. Major, faites-moi un rapport. Ces maudites créatures ont pris les canons orbitaux. Elles nous ont repoussés jusqu'à ce camp et préparent leur assaut final. Lyreo, prenez Altareus et Elion et restez ici pour protéger le camp. Oui, mon frère. Major, il faut atteindre les canons de défense. Oui, monseigneur. Suivez-moi. Ah merde, on va être que 3. On devait être 12. Connerie. Pas normal, ça. Je trouve qu'on me vend du rêve, mais en... La situation s'est détériorée. Ces infâmes gargouilles ont envahi le ciel. Les canons orbitaux sont aux mains des tyrannides? Oui. Ces attaques incessantes rendent toute forme de riposte difficile. Nous allons nous en occuper. Une chimère. Regardez la différence de taille entre un Space Marine et un humain. Major! Une nouvelle attaque à l'est! Renforcez le flanc droit. Non, ça fait 3 mètres de haut, hein. Partez avec lui. Nous participerons à la défense. Très bien, monseigneur. Ok. Oh, mais ça a que 25 balles? D'accord. J'ai quoi comme autre arme? Un pistolet et un couteau. Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est ce que nous allons voir. Ah, on a les PV de notre... Ah, mais on a que 2 boucliers là. D'accord. Alors, où est-ce que je dois aller? La juste fureur. Ok. Ok, c'est pas là. Et voilà! Pour la gloire d'Ultramar! Pour la gloire d'Ultramar! Je me suis déjà trompé de touche. Oui, c'est cette touche là pour taper les gens. Cible des... Monseigneur, nos éclaireurs indiquent que de nombreuses nuées s'approchent de notre position. Très bien. Montrez-nous où ils sont. Mon bouclier. Merci. Des coordonnées sur votre affichage au specs. Se rassembler. Ah, par là. Merci, les IA. Monseigneur, nous allons effectuer une frappe aérienne. Pouvez-vous retenir l'ennemi jusqu'à la fin de nos préparatifs? C'est comme si c'était fait. Retenir les tyrannies, très bien. Eh, mais il me tire dessus, hein. Où les tireurs? Je les ai pas vus. Mais par contre j'ai vu le guerrier là. Ne laissez aucun survivant. Pourquoi je les vois à travers le mur là? Je sais pas. Ok. Rechargement en cours. Ok. Je vise très bien, hein, vous le savez. Pourquoi je me mettrais en défense là? Complètement con. Qui me tire dessus? Papa. Il vient sur moi. Merde. Aïe. J'ai demandé une esquive. Ah, c'est bien. Je dois recharger. Je l'ai eu dans la tête. Aïe! Où les tireurs? Je les vois pas. Le ravitaille. Mon bouclier, s'il vous plaît. Ah, c'est plus long à recharger le bouclier quand on est un Space Marine. Grenade
Ok. Im. C'est bien, soldat de l'Impérium. On doit relever nos amis quand ils tombent au sol ou... Comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent me relever si moi je tombe au sol? C'est ça la question. Il est où? Je le vois pas. Il est là. Ça, ça bouge vite, hein. Recharge. Allez-y, soldats de l'Impérium. Ah, je dois aller là-bas. C'était vraiment pas le haut du panier. C'est le bas. Bon, bah si je dois aller là-bas, moi on m'a dit de protéger... de charger. On m'a dit de survivre. Donc moi je survivais quoi. Ghostbug. Ah. Très bien. En plein dans le mille, Major. Le huitième ne rate jamais sa cible. Ok. Allez, retenir les tyrannies, il fallait charger. D'accord. Nous devons tous la vie, mes seigneurs. L'empereur nous protège. Nous devons traverser la jungle jusqu'aux canons de défense orbitaux. Frère Liréo, aidez les Cadiens à établir des lignes de défense. Puis revenez au rapport. Et maintenant, ce ne sera pas long. Eh oui. En avant. Par contre, je suis dans la merde, moi. Les canons orbitaux sont situés de l'autre côté du marais. Soyez sur vos gardes. Les cadeau. Les tyrannides nous attendent au tournant. Un cadeau. Ah, on m'a régénéré ma vie. Très bien. C'est sans doute de là que vient la nuée. Ces carapaces répugnantes sont partout. Des machines organiques vivantes. Exact. Leur vaisseau, leur capsule, tout est vivant. Leur existence même est une hérésie. Nous devons réduire leur nombre sans tarder, mon frère. Réduire le nombre des tyrannides. Oui. D'accord, les gars. Bah allez-y, hein, je vous regarde. Vous savez qu'à chaque fois à chaque fois qu'ils trouvent de la biomasse, ils se multiplient. Donc ils mangent Acadien, ils font 4 gauntes, hein, les gars. Je vais dire ça comme ça, mais... Un rôdeur. Oh merde. Nouveau chargeur. Il est où? Elle est où, cette saloperie? Un rôdeur. Ne vous immobilisez pas. Il est où? Allez, sors de ta cachette, saloperie. Ah, t'attendais tes potes. Rechargement. Je comprends rien. J'ai rien compris. Ah si, on peut... D'accord, ils peuvent nous relever. Très bien. Ils ont beaucoup plus de vie qu'en facile. Ah non mais en fait... Merde! J'ai utilisé la fureur alors qu'il n'y avait personne. Super, alors que je voulais changer d'arme. Super.
Ok. C'est quoi les petites boules vertes là qu'il y avait au sol? Recharge. Ok. J'espérais mieux de la part des Cadiens. La perte des canons orbitaux nous a coûté cher. Et ils l'ont payé au centuple. Mais l'ennemi dispose encore d'une force considérable. Le huitième des Cadiens va devoir faire mieux. Ils l'ont médico. Ah, d'accord. Ah, j'avais peut-être plus de boucliers quand j'étais en facile. On va repasser à... enfin, en normal, j'ai envie de dire. On va peut-être voir. Ou alors c'était l'armure qui donnait ça. Je sais pas. La violence, c'est les vacances. Il y a violence, monsieur. Cette menace, mon frère. Très bien. En quoi les tyrannides sont différents des autres Xenos? Ils constituent un incessant fléau. Mais ils sont rusés. L'influence de l'esprit ruche leur permet d'agir à l'unisson. Même dans les cavernes, c'est beau, hein. C'est fou. Prudence. Les spores explosent lorsqu'elles détectent une menace proche. Dans ce cas, nous allons prendre les devants et les détruire. Des spores mines. Rechargement en cours. Saloperie. Donc il y aura peut-être du biovor. C'est bien. Ah, ils ont des bonus. Ce sera peut-être ça, parce qu'apparemment on peut changer de classe après, enfin on a des sortes de classes d'après ce que j'ai compris. Et c'est peut-être de là que vient les trucs au spec, c'est tout. À quelle compagnie appartenez-vous à votre équipe? J'ai servi l'empereur. Dans la Death Watch? En effet. J'espère pouvoir un jour partager un tel honneur moi-même. Merde. Par là. Trompé de touche. Ravitaillement en cours. Vers le bas pour les armes, vers la droite pour les soins, vers le haut on donne un ordre. D'accord. Ok. Et les stimulants de combat, on les voit où? Je sais pas. Passe bien. Le chemin le plus direct traverse les marais. Allons-y. Non. Ces marais sont infestés de Xenos. Il y a un bunker qui enjambe le lit de la rivière. Nous allons passer par là. Cela nous retarderait considérablement. Je suis sûr que... Nous ne sacrifierons pas la tactique au profit de la vitesse. À vos ordres. Le capitaine Akira nous a donné de nouveaux ordres. Vous devez continuer seul. Compris. Merci, Lirio. On se voit sur la résiliette.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Jackie viennent, ils m'accompagnent pas, c'est ça? Ok, des munitions. On aurait peut-être des pistolets plasma. Et jouer les pistolets bolter. Et voilà, les canons orbitaux. Ah. Oh, il nous tire dessus. C'est vrai que ça peut avoir plusieurs armes, ces saloperies de Xeno. Alors, est-ce qu'il y aurait des titis? Je ne pense pas. Dans le premier, il n'y avait pas que des orques. C'était principalement des orques, mais il n'y avait pas que ça. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait ou pas vu sur ma chaîne, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a en plus. Je vois pas mes soins. Rechargement en cours. Ravitaillement. Vous avez pas vu m'attaquer par derrière. Saloperie. Je dois recharger. Ah, il recharge même quand on tombe, donc on peut trouver un moyen de d'arrêter l'animation peut-être et gagner du temps. Le guerrier. Un peu déçu de la puissance des guerriers. Ah oui, ils ont fait le truc de ils sont plus faibles quand il n'y a plus de guerriers. Marrant. C'est logique, hein. J'ai fait la défense. Il l'a pas faite. Mais où est-ce que je vois mes soins? Je les vois pas. Ah si, d'accord, en bas à droite. Ok. Je mets un nouveau chargeur. Pas hyper visible sur l'interface. J'aurais préféré en haut à gauche au niveau de la vie. Mais bon, c'est... Les anges, on est sauvés. Pas forcément, je suis blessé. Je n'ose même pas les regarder, ça suffit. On est avec les anges de l'Empereur à présent. Vous envisagez de déserter votre poste, soldat? Non, mon seigneur. Jamais de la vie. On les a enfermés à l'intérieur. On ne peut rien faire de plus. Ouvrez les portes. Oui, mon seigneur. Oh. Ouvrez les portes. Oui. Vous avez dit que... Ouvrez ces foutues portes. D'accord. Bolter lourd, c'est... D'accord. Oui. C'est l'amour. Le bolter lourd. On ne pourra pas les retenir. Vous devez servir l'empereur, soldat. On m'a dit les portes. Position, soldat. Ne les laissez pas vous encercler. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de grimper. Défoncez-les. Les tous. L'empereur reconnaîtra les justes. Croyez-moi. Plus de balles. Battez-vous, mon sang. Allez, détruite, Kadja, allez. J'ai plus de bouclier. Je vois rien. J'y suis presque, mon frère. Allez, votre arme est encore venue. Merci. Rendez-leur la monnaie de leur presse, mon frère.
Ah, on se régène quand on... D'accord. En mode fureur, on se régène. Allez, les Cadiens. Derrière aussi. Mais où est-ce qu'on a des soins? Je comprends pas où on a des soins. Parce que j'en trouve jamais là sur le terrain de combat. Parce que j'aimerais bien avoir des soins. C'est un petit peu chiant ça, on te donne des soins mais tu en trouves jamais. Il y a peu de moyens de se régénérer. Je t'ai vu. Heureusement que les, tes alliés peuvent te, te ressusciter. Hein. Moi je vous le dis. Parce que là, je peux plus sortir. Nouveau chargeur. Munition sécurisée. Ah mais c'est stimulant médicaux, d'accord. Une ressource. Monseigneur, les portes sont ouvertes. Tout le monde à l'intérieur. Civique. Oui, monseigneur. Je peux rien faire. Il en viendra toujours plus. Nous devons nous concentrer sur le vaisseau russe. Je peux pas passer. Je peux rien faire. J'ai utilisé mon stimulant médico. Mes stimulants médicaux, je peux plus me soigner. Affirmatif. Transmet plus vite. Ok. Des orques n'auraient jamais fait ça. Ça les rend plus faciles à tuer. Croyez-moi, ils peuvent se montrer bien pire. Ah, j'ai hâte de voir ça. Pas beaucoup des stimulants. Traverser les portes. Bah bon. Bah, c'est mon avis. Pas facile, facile, hein. Vétéran. Heureusement que l'IA peut me soigner parce que sinon. Mais après c'est moi qui galère avec les touches. Je sais pas, je trouve qu'on voit pas bien les stimulants là en bas à droite. T'es plus focus sur le centre. Moi je les aurais mis en haut à gauche. Parce que t'as tendance à regarder ta vie en fait. Et pas en bas à droite. En plus moi j'ai le micro qui est devant. Donc ça gêne un peu. Major Sarkana. J'écoute. Nous avons rejoint l'une de vos escouades. Merci, monseigneur. Je vais leur donner de nouveaux ordres. Ils peuvent nous escorter, hein. Ça me va, moi. Ah. La voie est libre. En avant. Il y a peu têtu du ménage. Un vrai massacre, on dirait. Cela n'excuse pas la lâcheté. Ah, j'ai un autre bolter, là. Là j'ai pas de... Attends. Fusil bolter automatique. Voilà qui devrait servir. Taux de combat. Pistolet bolter lourd. Ah. Donc là ça doit être une mitraillette en fait. C'est vrai que le bolter c'est pan 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 pan. La carabine ça doit être pan pan pan. Et là, ça doit être papa. Ça va être un truc comme ça. Oui, je sais, je fais très très bien le bruit des armes. Pistolet bolter lourd, non, c'est ce que j'ai déjà. Ah, ça va, nos alliés ne nous empêchent pas d'avancer. Il n'y a pas de body block.
n'a pas de lampe sur nous. Intéressant. Également. Space Marine, ils vont au combat sans lampe. Après, normalement, ils ont des... des machins qui leur permettent de voir dans la nuit, mais... Non, c'est ça. Par là? Bah, y'a quoi par là, alors? Allons par là. Un couteau de combat, une plaque de données. Des monstruosités Xenos nous ont encerclés. C'est là que les déserteurs ont décampé. Puisse l'Empereur délivrer un prompt châtiment à ceux qui abandonnent leur père. Nous avons serré les rangs et résisté tant bien que mal. Reculer de quelques centimètres en récupérant les armes sur les défunts. Nous nous battrons jusqu'au bout. Pour Cadia. Pour l'Empereur. Peut-être prendre un snipe. Hein. Eux, ils ont des mitraillettes, donc moi, je vais prendre le snipe. Allez, c'est parti. On va rester loin, nous. Des Xenos ! Rechargement. Oui, j'utilise un sniper dans les couloirs, et alors ? C'est joli, hein. Les effets de lumière là sont très très beaux. Hein. Moi j'aime beaucoup le jeu. Hein. Je dois recharger. Ah, j'ai plus de grenades. On y va. Rechargement en cours. Voilà, un peu de démembrage là. C'est ça qu'on aime. Excellent. Allez, on y va. Voilà, c'est ça qu'on aime. Je répète, nous attendons les ordres pour passer à l'attaque. Major, à vous. Ici le lieutenant Titus, identifiez-vous. Capitaine Eden, notre système de communication a été endommagé. Ils doivent être proches. Tenez bon, capitaine, nous approchons. On va essayer le pistolet bolter lourd, on va essayer. Ça va faire plus de dégâts qu'un pistolet bolter, je suppose. Travail. J'aime parler comme ça. Défoncer des gens à coups de mitrailleuse lourde. C'est tout ce qu'il me faut dans la vie. Oh, très très joli effet de lumière. Ah, c'est con qu'il n'y ait pas un petit mode photo là. Pas un mode photo là. C'est dommage. Moyen d'avoir une petite photo sympa. Allez. On va nettoyer le titi. L'installation se trouve juste derrière ces portes. Il doit y avoir une console pour les sauver. Vous devez me protéger, hein. C'est moi qui ai le bolter lourd, hein. Je touche plus des fois. Aka, t'es vraiment en train de faire du coup par coup avec une mitrailleuse lourde? Oui. Et alors? On peut pas me battre au corps à corps. Oh, on peut pas se battre au corps à corps quand on a le bolter lourd.
D'accord. C'est vrai, les IA, on dirait qu'elles ont pour mission de vous aider. Je suis à fond, 29 munitions, c'est ce qui est à fond. Cible détruite. Oh. Excellent coup dans la tête, mon cher Michel Goujna. C'est des grenades, hein. Il y a toujours pas de son, hein. Tu bluffes, Martoni. Recharge. Il y a un recul sur l'arme. Assez impressionnant. Tu bluffes, Martoni. Allez, ça dégage. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ravitaillement en cours. Mets une petite balle pour les désorienter et après charger. Ça bouge encore là. Regardez, il n'y a que des boîtes de munitions, il n'y a aucun soin quoi. Un peu embêtant ça. Est-ce qu'on peut avoir des soins s'il vous plaît? Ah. Oh, une sentinelle! Oh, elle est jolie! Oh, on a envie d'acheter des figurines, hein. J'espère que ma femme ne va pas entendre ça. Elle va dire, ah mais encore! Tu as déjà besoin d'un hangar pour toutes les entreposer. Bah oui, mais j'en ai pas assez. Quand on voit toutes ces belles figurines qu'on pourrait avoir, regardez, ça c'est une figurine! Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir ça dans sa chambre, à côté de son lit? Pour se dire, je dors en sécurité. Bien sûr que si. Allez, dépensez votre argent dans Warhammer. Allez-y. Achetez des figurines. Ça pue, non? On ouvre la grande porte comme ça, hein. C'est quand même beaucoup plus action que le premier. Hein. Le premier, il était quand même vachement calme au début. Zarkana. Monseigneur. Nous sommes en contact avec le capitaine Iden. Iden? Je croyais qu'il avait disparu. Eh bien, nous approchons de sa position. Vous pouvez me le passer? Je m'en occupe. Oh. On va essayer le... Ils ne passeront pas. Le bolter automatique. Allez. On peut essayer un peu toutes les armes. Hein. Les humains. Human Russ. Par l'empereur. La communication est établie. Allez-y, Major. Capitaine Iden, je vous croyais mort.
Désolé de vous décevoir, chef. Vous êtes plus coriace qu'un Grox, ma parole. Je vais prendre ça pour un compliment. Iden, nous devons reprendre le contrôle de ces canons orbitaux. Mes blindés sont prêts pour l'assaut. Occupez-vous, capitaine. Oui, chef. Ils vont apprendre à connaître la... Oui. Ils nous accompagnent, les Lehman Russ. En avant. Garde. Faites honneur à votre empereur. Avec plaisir, monseigneur. Mon Dieu. La gargouille. Par milliers. Oh bordel. Cette satanée porte nous barre la route. Dans ce cas, nous allons la détruire. Et comment ne porte pas une... Soldats, au travail. Ouais, ok, ça c'est la mitraillette. Ouvrez les portes. C'est où? Ok. On ouvre un chemin. À la mitraillette, et ensuite... Ah! Pour l'Empereur Dieu! La voie est libre. En avant. T'es où? Ah. Oh merde! C'est bon. On l'a tué. Plus de soin. On trouve pas beaucoup de soin, hein, je le redis, mais... Le tireur. Allez, on le découpe. Je t'ai eu. Yes. Le ravitaille. Rechargement. Ok, on y va. On est full moon? Ah non, on n'est pas full moon. Sécurisé. V-Bolter automatique, c'est ce qu'on a déjà. Carabine Bolter, c'est ce que j'avais. Pistolet Bolter, on s'en fout. Ok. La porte est en train de s'ouvrir. Soldats, prenez-vous l'arrière-train et passez-moi cette porte immédiatement. Avancez. Excellent. Pour rejoindre les gardiens. À vos ordres, lieutenant. Excellent, c'est le char qui pousse le mec plutôt que de l'écraser. Moi j'aurais bien aimé qu'il l'écrase en vrai. Ça aurait fait très très cadien, c'est en mode je m'en bats les steaks. J'ai mon char, il avait qu'à pas se mettre devant. Ça aurait été marrant que ce soit scripté, mais apparemment non. C'est bien. Avant les cadiens, battez-vous pour nous. Ah, je le connais pas celui-là. Je sais plus son nom. Oui. Oui. Peut-être
déplacement à travers cette installation risque de prendre du temps. Il suffit de réaménager un petit peu l'endroit pour ces... Excellent comment il le porte. Tactique spéciale, prête. Ça remplace pas non plus les bolters lourds, ça recharge pas les bolters lourds. Menu fretin. Oh la sainte relique de l'empereur. Et le bolter lourd. Plus de grenade. De quoi un zoanthrope? Oh merde! Il a le lien synaptique. Où est-ce? La magie. Aïe. Attention à la magie, hein. C'est un magicien, le zoanthrope. Et il a fait un bouclier. Tissaligo. D'aide les gars. Faut m'occuper de tout le monde hein. Cible détruite. Ça c'est solide le zoanthrope hein. Comme dans le jeu figurine quoi. Ravitaillement en cours. Petite saloperie. C'est une bonne saloperie comme dans le jeu de figurine. Major, nous avons repris l'installation. Loué soit l'empereur. J'embarque dans une Valkyrie pour vous rejoindre. Ah. Nice. Ça se passe Butler là que j'avais. La voie est libre. Activez-moi ces canons. Allez. On m'attaque. On va faire un trou tellement énorme dans ces vaisseaux ruches que vous pourrez faire passer une frégate à travers. Il ne se laissera pas faire sans combattre. Qui ? L'esprit ruche. La puissante intelligence collective des tyrannides. Au canon plasma. Et on le sous-estimer. Major, les canons sont à plat. Il va falloir du temps pour réveiller l'esprit de la machine. Faites vite ! Les tyrannides vont concentrer toutes leurs forces sur ce bâtiment. Ici le Major Sarkana. Redirigez les 2e et 3e pelotons vers les canons orbitaux. Bien sûr, chef. On va leur montrer ce que le 8e régiment cadien a dans le ventre. Mais Kadia, elle est détruite. Les gars, je ne vais pas vous l'apprendre, mais... Elle s'est pris un shuriken dans la tête. Littéralement. Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, je vous rappelle que la suite de ce let's play aura lieu sur ma chaîne YouTube, où vous pourrez suivre les aventures de Titus. On rappelle également que vous avez toujours le code promo en suivant le lien dans la description et en inscrivant le mot signe dans le truc code promo en bas quand vous prenez votre commande chez GamesPlanet, un revendeur de clés officiel qui demande à nos amis les éditeurs des clés et qui les paye entre guillemets pour vous les revendre. Et voilà, des bisous tout le monde, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, tout va bien se passer, allez bye bye.